Yo les gars, yo yo tout le monde, semaine 2, vidéo numéro 2. Là on est lundi matin il est 11h à peu près. Je me fais des petites tartines, bam, beurre de cacahuète, confiture de fraises, bam bam. Je vais en cours de sociologie. Là je fais une petite intro le lundi matin parce que le but du coup c'est de faire des vlogs de la semaine et fin de semaine match que je fais filmer un peu et tout. Donc là, aujourd'hui, pas d'entraînement de foot comme on a eu le match contre Chicoutimi vendredi dernier. Là. Voilà, petit week-end repos, enfin pas repos comme on a eu le match vendredi, mais on a eu samedi dimanche de off, donc c'était bien. Premier vlog posté, voilà, on a fait un peu de vues. Pas le but d'avoir des abonnés non plus. Donc je vais vous filmer, petite journée tranquille là, même s'il n'y a rien de fou, je vais faire 2-3 plans. Bon, juste je vais en cours, au vestiaire et tout, hein, on va voir les gars en cours. Voilà. Yo les gars, donc là on est quel jour? On est lundi. Ce soir, il y a une partie de notre équipe de foot qui fait un match de hockey. Ils ont organisé une. Moi, je peux pas venir malheureusement parce que j'ai plein de devoirs pour demain. J'ai une éval en français sur deux livres. Donc, je vais laisser la cam à Iliane. Et c'est Iliane qui va me faire quelques plans parce que lui, il va au match de hockey. Avant, il va à la salle. Moi, là, je suis en train de travailler. Il va à la salle, ensuite, il va au match hockey. Il va me faire quelques plans à la salle, quelques plans au match de hockey. Puis, je vous les mettrai juste après. Donc, merci Iliane. Puis, c'est carré, je vous retrouve après. Là, je vais rejoindre mon jeune collègue, il fait bien beau. Une fois dans ce pays de froideur, je fais une petite sieste là. Je vais rejoindre mon jeune collègue Antoine Fortin et Adrien Delinière pour aller entraîner les petits au foot. Je vous filme tout, cette semaine je vous filme tout. Et puis voilà, on se retrouve quand je les rejoins. Deuxième drill, je vous filme tout ça. Aujourd'hui que du contact pour les petits. Antoine, il coach. Simon et coach. Puis voilà quoi. Ça s'envoie. Oh! Yo tout le monde, donc aujourd'hui pas de pratique, je suis pas équipé. Je filme avant là, je vais ranger mon tel parce qu'il n'y a pas le droit sinon. On n'a pas le droit de filmer l'entraînement donc voilà. Viens Grenoble. Je vais pas filmer l'entraînement parce que je vais rester concentré, je vais filmer. Donc j'entraîne en light. Evan s'entraîne en light. Voilà. Je vais me faire traiter par notre physio. Puis on verra si je peux revenir demain. Ciao. A few moments later. Est-ce que tu ranges le matériel? Regardez, il ne range pas le matériel. Alors qu'il faut aider à ranger le matériel. Cet homme range le matériel. Lui, il a le genou en vrac. Mais Will, dans ton vlog un peu là. Salut, moi c'est Will. Oui, numéro 1, numéro 1. Je connais. Cet homme range le matériel. Salut. Chris, un petit message après pratique. Comment s'est passée la pratique, Chris? Bien été, grosse pratique. Ça. Grosse pratique. J'ai smoke Enzo Petrucelli. T'as smoke Enzo Petrucelli. Ouais. T'as smoke des gens un peu Saint-Pierre ou pas? Pas de temps, là, j'ai pas eu de balle sur moi. Pas de balle sur lui. Tom Lancette, il a fait du sale aujourd'hui, je crois. Non, j'ai fait de la seule affaire qui est sale, c'est mon fond de culotte. T'as fait de la style de merde? C'est mon fond. C'est celle à qui? J'ai fait de la table. Quoi? C'est celle à qui? À moi? J'ai rien graché deux, trois fois. Rien que ça, c'était un accord pour faire bien. Donc, on vient de trouver que Chris avait dit qu'il avait enculé un mec, le voilà. Il a dit dans le vlog, tu regarderas Enzo. Demain, je te mange, tu vas voir. Demain, je te mange. Oh my god. Les gars, after pratique, Dylan, c'était comment? J'ai vu des colissés du monde. Ah mon gars, aujourd'hui c'était off, gros. Zéro duel perdu, mon gars. J'ai vu ma durée, il en a pris un peu aujourd'hui. Oh, vas-y, il en prend tous les jours. Oui. Trash talk, Max Durand, il va voir cette vidéo, il va faire wesh. À moi à dire, Mikamou pour cette pratique. Regarde, il fait trop le mec. Il est focus, il est focus. Evan, Mikamou. À moi à dire pour la pratique. Voilà, gênant. Gênant. Il y a le plus drôle de l'équipe, GFT, à moi à dire pour la pratique. C'était bien. Il y a des améliorations à faire, mais tu vois, on est sur le bon chemin, on s'améliore. Les 1v1 au line, ça fait du sale un peu. Ils étaient off les online, comme d'habitude. Ouh, trash talk.
Et bien, salut à tous, à tous les amis. Salut, je vais m'arrêter, Mini Gold Gold, pour une vidéo sur la chaîne de Léonard Levachier. C'est du lourd qui s'en vient, restez connectés. PNF, avant de partir, est-ce que ça va ton corps en ce moment ou c'est pas trop? J'ai un peu mal à la nuque, tête forte, j'ai pris un peu une como. Une como, bah, ouais. Pas vraiment, ça reste tout à fait fort. En ce moment, Gauthier, t'as mal à la nuque, à l'ischio. Attends, enlève-moi les polyames. C'est la mi-saison, ça paraît. En fait, c'est à une main, j'arrive pas. Voilà, je filme. En fait, c'est ça, c'est qu'à la mi-saison, c'est compliqué, ça t'arrête. Regarde le regard de Brest. Danse, Villemer, s'il te plaît. Voilà. Mais sinon, ça va. Les gars, au pire, on va lui demander en live. Je filme ça, regardez ce que Luc veut faire. Donc là, il y a la salle. Il a marqué son Instagram, d'ailleurs, si vous le voulez, dans le vlog, voilà. Il a marqué son Instagram. Il veut montrer aux fenêtres, aux meufs, son Instagram. Voilà. Mais elle ne court plus. Voilà. Sauf qu'elle ne court plus, elle est partie. Regardez, donc, il n'y a plus personne dans la salle. Regardez. Il n'y a plus personne. Du coup, il va aller lui demander en vrai, comme il a des couilles. Allez. Voilà. Faut le faire. Voilà. Grosse pratique aujourd'hui, Antoine, ou pas? Lockdown, même. Lockdown, j'ai dit que Ray qui a rien fait, même. Ouais. Ils se sont essayés, mais il n'y a rien à faire contre moi. Ah, gros dealer. Attends, là, dégustation hot dog avec Pierre. Petit plaisir. Petit plaisir. Et donc, Grenon, c'est une dégustation. Mais dégustation. Ah, ce truc là. Ah, attends. Non, mais Grenon, il a pas mis de sauce encore. Grenon, il s'en bat les couilles. Pas de sauce, man. Dégustation avec Alexis Grenon, voilà, je l'ai présenté hier. Vous êtes prêts? Pas de sauce. Let's go. Très très bon. Ils sont bons? Ils sont très bons. Pierre, prends pas les mots. Vive la gestion de commerce. Voilà. Alors, sur le sens humain. One to gestion, one to commerce. C'est avec moi. One to gestion, one to commerce. Voilà. Bon, du coup, tu choisis maintenant si Gauthier mange au McDo avec toi ou s'il mange des pâtes. J'arrive pas à prendre la décision. Bah, votez dans les commentaires. Dans les commentaires. Le deuxième qui a pris la décision, si Gauthier mange au McDo ou s'il mange à la maison. Tu fais quoi? Maison. Non, c'est toi qui choisis. Tu dois choisir s'il mange à McDo ou s'il mange chez vous. Non, au pire, on va au Sando. Tu payes? Non. Je sais pas, c'est quoi. C'est genre un chien, un poutine et tout. Genre. Gros, c'est 15 balles. Non, mais regarde, on prend pas compte. Nous, on n'a pas à manger. Ouf. Ok, changement de plan, ils veulent aller au Sando. Ça serait pas mal, ça va. C'est un peu moins cher. Bilou est chaud pour Sando parce que c'est moins cher. Mais non, c'est parce que c'est en ligne et qu'ils bouffent du Sando tous les soirs. Non, moi je vais manger mes. C'était comment la pratique? Ah, tranquille, c'est chill. Grosse pratique. Tranquille, non? Ah, mon gars, moi je vais manger mes pâtes crème fraîche. Moi je vais manger mes pâtes au poulet. Pratique, voilà. Avec des petites saucisses. C'était carré. Dylan. Bah ouais, mon dealer, dealer. Quand t'es là, après, faut bosser. Hein. Ah, mon gars. Donc là, les gars, petit, je mange dans mon wok directement. Et regardez à gauche. Voilà. Bon. J'ai le seum, mais voilà. Ah, mon gars. Il est trop. Dylan, carrément, lui, il mange pas en fait. J'ai la flemme de monter. Carrément, c'est une flemme. Voilà, plaisir pour Ivan. Bon, là, les gars, on devait aller à l'entraînement des petits avec Antoine. Sauf qu'Antoine a coincé ses clés dans son coffre. Antoine, la situation? C'est un clé vlog pendant qu'on cherche mes clés. Ouais. J'ai cherché ses clés, j'ai aidé à chercher. Mais là, voilà. Voilà. J'essaye d'ouvrir le coffre, mais ça marche pas. Adrien essaye de chercher. Regardez les bras. Donc Adrien va appeler papa ou maman, je sais pas. C'est pas grave. Adrien, n'importe quoi, Antoine. Non, je vais appeler Simon Racine parce que lui vient pratiquer aussi. Il vient pas? Il a dit dans le groupe qu'il venait pas. Donc voilà. Adrien, Antoine téléphone avec son papa, mais il peut pas nous ramener les clés malheureusement. Je peux vous faire un vroom tour de sa voiture. Donc qui est une merde, je suis tellement nul en voiture. Ce logo là, la technique d'Adrien, forcé. Si tu rentres dans le parking en face de Panard, l'entrée par le parking. Ouais. C'est ceux qui sont. Bon, on a réussi à ouvrir. Je suis venu avec mon char au cégep. Fait que c'est sûr, ils sont pas loin. Ouais, mais je suis sûr, ils ont pas loin. Je vois beaucoup ils arrêter là-dedans. Ouais, je fais. Parce que tantôt, j'ai fait le ménage. C'est vrai que là, ton coffre, il est propre par rapport à la dernière fois. Hein. T'as tout nettoyé. Bon, là, on a ouvert le coffre, mais on a pas. Ah non. Qu'est-ce qu'on a dans son coffre? On va faire un coffre tour, voilà, bam. Et ça, je vais filmer ça.
Ça c'est. Alors, ça, comment c'est il l'ingénierie. Ouvre. Alors c'est comme ça qu'il ouvre son coffre. Voilà. Non mais c'est pas con. Après c'est il peut con. Se faire voler quoi mais. Ouais. Donc au pire on peut y aller avec ça, hein, même si ça va rien changer, des pinces. Il a des petits crampons Adidas. Classique. Classique. Bon ah, ça c'est. Il y a des choses pas très saines là-dedans. Il y a des choses pas très saines quoi. Bon, on a réussi à ouvrir le coffre en fait, mais les clés ne sont pas dans le coffre. Donc bah, problème. Bon bah là, on est en train de retourner la voiture pour essayer de trouver les clés, mais. Compliqué là. Compliqué. Ouais Adrien, parfait. Mais regarde en dessous, je sais pas, peut-être il les a fait tomber en dessous. Donc bah l'entraînement des petits. Et dans une salle de classe et tout. T'as dû les faire tomber Antoine, non, je sais pas. Je suis au cégep depuis 15 minutes. Bon on a retrouvé les clés Antoine. Elles étaient où les clés? C'était le monsieur de sécurité qui les avait, il les avait retrouvées. Voilà. Donc là on va à l'entraînement des petits avec un petit retard quand même. Ça sera pas en retard hein. Les gars, donc, du coup on est vendredi, demain on joue contre Rimouski, moi je sais pas encore si je vais jouer avec ma blessure et tout. Et donc là ce matin on est avec Carte du Monde, là je suis en train de manger tartine d'avocat, bam. Ensuite je vais aller faire une petite sieste, ensuite je vais aller en économie. Ensuite j'enchaîne directement meeting, entraînement, je vais voir si je peux le faire. Et voilà, je vous filme tout ça, ciao. Yo les gars, je suis avec Evan, yo, et yo. Dylan. Yo. On vient de finir la pratique, on était à la pratique du light. Light body. Evan et moi on pratique pas demain, enfin Evan c'est logique. Moi du coup les coachs et les physios ils préfèrent pas que je rejoue, ils préfèrent que je revienne en bonne et due forme, en forme parce que pour mon pied et tout. Donc voilà, donc on va revenir la semaine prochaine en forme à 100%. Demain on va filmer Evan. Est-ce que demain on va filmer un peu? Ouais, demain on va filmer juste là-bas et comme il va pleuvoir des cordes, ça va être incroyable. On va être à l'abri, parfait. J'ai très bien, on va supporter notre équipe, on va gagner. Et puis business is business. On filme ce soir, on va peut-être aller au resto, voilà. Secret. Bon là les gars, on est au Sindo avec Fefe et Evan, on va se péter le bide. On est allé faire des plans un peu pour le vlog et on s'est dit on va aller manger sur un coup de tête. Voilà. Posé, tranquille. De champagne. Yeah, je vous filme quand on reçoit la petite bouffe quoi. Donc voici notre plateau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Grosse frite. On joue contre à 13h contre Rimouski. Là il est 8h30. À 9h il y a Antoine, Charles-Antoine, qui vient me chercher avec Luc. Parce qu'on va manger un petit déj ensemble là au Roberto, je crois que ça s'appelle comme ça, c'est un truc pour bouffer. On va manger un petit déj tous ensemble avec tous les DB. Je vais essayer de filmer vite fait. Et puis après, on va revenir. Les gars, ils vont se préparer pour le game. Et puis voilà quoi, je vais filmer tout ça. Donc là, on commence kick-off return. C'est notre attaque qui va. Enchaîner direct après. Bam. Bon là les gars, il y a 14-7, ils viennent de marquer. Là on fait un petit kick-off return. On filme et on filme le tape et voilà. Let's go Sankara. Let's go, ça c'est mon gars grenade. Passe incomplète, aucun mouchoir sur le terrain de. Evan il filme, bam, et la defense qui est sur le terrain. Petite course du QB, plaqué. Bah, c'est la fin. Enfin, leurs amis, leurs connaissances. Il reste une seconde. Je vous filme le dernier jeu. Voilà. Il reste une seconde. Moi je pense ouais, qu'ils vont tenter. Logiquement, tu tentes une fade ou un truc, je sais pas. Moi je suis pas coordinateur offensif, les gars. Et comme il reste une seconde, je pense que là. Une longue passe. Bon, là les gars, on est allé voir le match de Mérissi contre. Chicoutimi. On a la chance d'être avec le QB de Chicout, les gars. Comment s'est passé la game un peu sincèrement? En vrai ça va, hein. Juste il parlait beaucoup. Il parlait?
Ouais, okay. Ouais, ouais. Est-ce que t'as répliqué? Hein? Est-ce que t'as répliqué? Non, tu connais, on se tait, on fait ce qu'on a à faire. Ah, voilà, voilà. Je suis un mec connecté. C'est chill. Parfait, parfait. Ouais. Donc là, les gars, on a rencontré BNF2. BNF2, le même gabarit que BNF. Voix double. Oh, excuse-moi. Donc là, on a la chance d'être avec deux BNF. C'est donc ça le multiverse. Le multiverse BNF numéro 1, le vrai BNF et la copie de BNF. Non, pas la copie, le deuxième personne. Le même numéro. Donc, bon les gars, donc, du coup fin de vidéo, là on est dimanche, je viens de rentrer aujourd'hui, j'étais avec, avec Evan, Enzo et Nick à Laval, enfin à Québec pour voir le match des Rouges Géants de l'Université Laval, donc il y a un vlog qui va sortir, la prochaine vidéo c'est un vlog qui va sortir de la journée, où je présente vite fait l'université et je vlog un peu le match. Du coup, c'est la fin du vlog numéro 2. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes chaud, lâchez un petit like, petit abonnement, petite cloche, voilà. Sinon, je vous dis à la prochaine et puis portez-vous bien.